Yop les potes, c'est Darkemon, j'espère que vous allez tous super bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture. Donc, je crois que c'est l'épisode 5 du vendredi après-midi, c'est ouverture suprême, voilà. Donc, oui, c'est vrai que j'ai pas vérifié avant. Je m'en excuse. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'ouverture que, voilà, j'en ai pas fait du tout des vacances. À part pour vous l'ouverture de Noël, mais je l'avais tourné bien avant. Donc voilà. Vous avez pu voir d'ailleurs ma précédente ouverture aussi. Donc l'épisode 4 du vendredi après-midi, c'est ouverture suprême. Où je sors ce magnifique Dracaufeu. Ce magnifique méga Dracaufeu en ultra. Donc j'étais vraiment très content. Et donc avant de commencer cette ouverture de 3 boosters XY évolution les potes, je vous informe que je vais pas trop crier aujourd'hui, voilà, même si j'ai de l'ultra, je serai vraiment très content, mais vous avez pu le remarquer, je suis pas majeur et je vis avec mes parents et habituellement je suis tranquille pour mes vidéos, mais là pas cette fois, voilà, donc je vais essayer de pas trop gueuler. Des potes m'ont fait la remarque d'ailleurs ce matin. Comment ça se fait que ma mère vienne pas quand je gueule tout ça, mais tout simplement parce que je suis tranquille quand je fais mes ouvertures et là non. Enfin bref, on est là pour s'ouvrir 3 boosters XY Evolution, voilà. Donc j'ai vraiment hâte qu'on s'ouvre ça. Donc on va commencer directement en mettant le Floriza en dernier et en commençant, voilà, par un Raichu, donc celui-là. Donc c'est parti les potes. Donc bah, écoutez, 3 boosters encore. Oui, je sais, le code promo pour ceux que ça intéresse. 3 boosters encore et non 4. C'est vraiment un choix, les potes. Désolé, mais je suis obligé, voilà. Donc tout est calibré logiquement et on est parti avec un Aspico. Ouh là là, j'ai tout perdu. Un Rattata, un sac de nœuds qu'on ouvre des évolutions. Je suis très content d'ouvrir des évolutions. C'est une magnifique série, un Starry, une énergie combat, un lien spirituel au carnage, co-confort, excusez-moi. C'est le dresseur, donc récupération d'énergie que j'ai déjà. Goupix en reverse que j'ai déjà. Et derrière les potes, qu'avons nous? Ouh, ouh. Oh là 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 là. Wow, 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 yo. Oh les potes, oh les potes, oh les potes, je vous jure, je me retiens de gueuler là par contre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est un truc de malade. Je vous jure que je me retiens. Le Tortank en ultra qui tombe. Le Tortank. Oh putain, c'est un truc de malade. Oh là là. Quelle chance à chacune de mes ouvertures, c'est incroyable. Donc écoutez, le Tortank en ultra qui tombe. Magnifique carte. Voilà. Magnifique, hein. Mais de toute beauté. Magnifique. Je la regarde de plus près. Et que dire? Que dire les potes? Oh là. C'est magnifique. J'avais eu le Dracaufeu, le Tortank, qui manque plus que le Floriza. Oh, je vais l'ouvrir devant la cam quand même. Donc, écoutez les potes. Oh merde. Ouais, j'ai tourné. Ouais. Les potes, écoutez. C'est extraordinaire. Une ultra dès le premier booster. D'ailleurs, il y en a carrément qui vont penser que j'ouvre des boosters truqués à force. Ce qui ne m'étonnerait pas vu que je sors au moins 2 ultras à chaque fois. Non, sincèrement les potes. Sincèrement, c'est un truc de ouf. Le Pikachu, on commence. Tout du haut. Le Chenipan. Soporifique, là je suis chaud. Là je suis chaud. Topiqueur. Le Porygon. L'adresseur Pokédex. Ok. Encore une dresseur spray des évoluants. Melofeu en reverse. Que je n'ai pas, et qui fait bugger d'ailleurs la cam, je sais pas pourquoi.
Et magnifique, magnifique. Et derrière, donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, fail, et c'est un électron en rare. C'est un électron en rare sur un magnifique fail de ma part. Écoutez, je vais laisser le Tortank de côté, voilà. Et dernier booster déjà, les potes. Et oui, trois boosters, comme je vous l'ai dit au début, c'est un choix économique. Oula. C'est un choix économique et stratégique, enfin stratégique. C'est surtout pour vous proposer des vidéos chaque semaine que je fais ça. J'en ouvrirai bien 4, mais si je commence à en ouvrir 4 dans 2 semaines, il y aura plus d'ouverture sur la chaîne. Donc c'est... Je vais essayer de m'en récupérer des boosters, mais c'est compliqué en ce moment. Voilà. Donc un Goupix. Un sac de nœuds. Machoke. Aspico. Onyx. Smogo. Machoper. Une énergie, double énergie incolore en. Ah non, elle n'est pas en reverse. Elle est pas en reverse. Et un Chrysacier en reverse que j'ai déjà. Et donc, dernière carte de cette ouverture, les potes. Que va-t-on sortir? Ça serait énorme, une autre ultra, les potes. Et un... Oh, le Mewtwo en rare encore. Le Mewtwo en rare encore qui tombe. Que j'ai déjà eu, je crois, mon tout premier booster... Évolution, ouais. Ouais. Le Mewtwo en rare qui tombe. Mais les potes, écoutez. Une très belle ouverture encore. Avec ce Tortank X que je sors dès le premier booster, voilà. Donc magnifique, vous en jugerez par vous-même. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. Donc c'est le Tortank en ultra basique. Il y a aussi le méga Tortank, il y a aussi le méga Tortank en full art et le simple en full art, je crois aussi. Donc c'est le basique, mais ça reste une ultra qui est très très belle. Je suis super content. Hein. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si cette petite ouverture vous a plu. Et à lâcher un like, partagez ma vidéo autour de vous et passez voir mon Twitter qui sera dans la description comme d'habitude. Et sur ce les potes, je vous dis tchuss !